Ambiance chaleureuse en revanche pour le premier voyage officiel du président de la République Jacques Chirac au Maroc, avec une visite symbole aujourd'hui à la mosquée de Casablanca, sur place Philippe Arroir et Jacques Gérard. Le roi et le président, une amitié qui marche. La France met en avant le rôle modérateur et actif du souverain marocain sur la scène internationale, surtout dans le processus de paix au Proche-Orient. De même qu'elle soutient les efforts de Hassan II pour encourager un islam modéré et tolérant. Symbole, la grande mosquée de Casablanca construite sur l'océan, car le trône de Dieu était sur l'eau, dit le Coran. C'est l'un des plus importants édifices religieux du monde, inauguré il y a 2 ans. Le président Chirac a visité cette merveille architecturale qui marie les techniques les plus modernes à la plus pure tradition marocaine. 35 000 artisans ont participé à sa décoration. La salle de prière peut accueillir 25 000 fidèles. Le toit de 1100 tonnes s'ouvre en 5 minutes. Que l'on soit encore capable de faire un geste de cette nature et de cette force, un geste spirituel, est vraiment à l'honneur à la fois du Maroc et de l'humanité tout entière. Avec Jacques Chirac, la France a décidé de privilégier le Maroc et son pôle de stabilité dans la région. La France soutiendra les efforts économiques d'un pays qui s'est ouvert récemment à la démocratie, même si c'est loin d'être parfait.